Et oui, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode, ce nouveau numéro, numéro 159. Et oui, ça numérote maintenant les streams de The Big Game of Ski. Le temps passe et... on est arrivé et je vois au loin la foule qui trépigne déjà d'impatience et qui ne se tient plus de savoir quel sera le jeu que je vais streamer aujourd'hui pour vous, mes amis. Eh ben, va falloir patienter, parce que tout d'abord, en ce 1er février 2018, je vais vous streamer une petite news, car savez-vous ce qui va pas tarder à pointer le bout des pixels sur votre PC? Non? Du tout? Même en cherchant bien? Bon. Je vous le fais voir, regardez sur quoi je suis tombé, regardez ce qui va pas tarder à arriver chez vous, en toute logique. Oui, du Taito, 40 ans de méchant de l'espace, pixelisé, qui se déplace latéralement pour progressivement venir tout en bas de l'écran, vous péter la tête à coups de pruneaux et autres objets en forme rectangulaire ou carré de préférence. Alors, je sais pas trop quoi en penser, sorti qu'on sent bien quand même l'aspect mercantile du truc. Effet disco whiz minimaliste, voilà, oui, bah, si vous voulez ça les enfants, moi je vous le dis tout de suite, gardez vos sous, et puis allez dans un magasin d'occasion et essayez de choper Rez. Oui, on est bien d'accord, Rez au moins c'est une expérience audiovisuelle, c'est autre chose que cette énorme connerie qu'on essaie de vous faire croire avec ce jeu. Je n'en stream pas plus, hein, je suis pas là pour faire leur pub, c'était juste pour vous informer, et si vous êtes passionné, nostalgique et compagnie, eh ben oui, ruez-vous sur ce bidule, ce remix, ce énième remix du Space Invader. Peut-être ça vous fera du bien. Moi, je suis pas vraiment convaincu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ressors toutes ces ROMs pour aller chercher les choses qu'on a peut-être un peu oubliées et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Aujourd'hui, on va se faire. Je vais me prendre une punition aujourd'hui. On va se faire un numéro où ça va friser un poil le bondage. Ça va être du cave. Et pas n'importe quoi comme cave, parce que Ibarra, bah, vous allez vite le voir. Niveau quantité d'objets et de choses animées à l'écran, on a rarement fait mieux. Alors je crois que c'est celui-là qui a un test de ces ROMs qui est assez faramineux. Voilà, regardez-moi ça. Rien que ça, c'est... Si vous êtes hardcore geek, je vous le dis, ça vous fait faire des boss dans le calcif, quoi, c'est obligé. Qu'est-ce que c'est beau, ces autotests de bornes d'arcade. Miam, miam, miam. Alors, j'espère que le son n'est pas trop mal réglé pour le jeu. Je vais le monter un poil dans le doute. Et on y retourne. Swing. Alors, principe du jeu. Bon, on est dans un cave, donc on sait très bien que ça va... Ça va tirer avec une grande générosité, on est dans le mode manic shooter, c'est-à-dire qu'on est continuellement alimenté en bonus, parce qu'avec ce qu'on va se prendre sur la gueule, je vous garantis que des bonus va y en avoir besoin. Alors comme je vous le disais, en préambule, niveau lisibilité, vous avez intérêt à être bien réveillé, et moi je dois avouer que je n'en suis qu'à mon premier café, donc ça risque d'être un poil tendu, puisque oui, c'est extraordinaire de travail graphique. Mais du coup, ça vous donne un écran qui est quand même chargé comme... insérez votre exemple ici. On y va? On y go. Non, passe-moi de l'argent, s'il te plaît. Oh, que c'est joli tout ça. Alors, je crois qu'il y a pas mal de fanservice dans les petits écrans intermédiaires, vous verrez, c'est assez rigolo. Je ne teste même pas ma bombe, je n'ai pas de tir appuyé... Bon, ce qu'on va dire, c'est je vais essayer de survivre et d'arriver à distinguer les tirs du fond, car parfois, bleu sur bleu, vous le verrez plus loin, c'est un poil tendu, quand même. On défouraille. On annihile. On détruit sans état d'âme. Nous sommes là parce que la guerre, c'est chouette et qu'on est là pour... éduquer les petits enfants et leur faire voir à quel point c'est intéressant de haïr son prochain.
Sinon, on pourrait pas se mettre sur la gueule et on s'emmerderait à la maison à regarder des émissions télé absolument inintéressantes. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas mal puisque ça meuble et en plus, je passe. Pardon, madame, je passe. Oui, je passe. Et oui, et oui. Alors, vous voyez que je ramasse tous mes petits bonus le plus souvent possible parce que j'ai mes jauges en bas qui ne sont pas de la jungle. On n'est pas dimanche, hein, les enfants, je vous le rappelle. Mes jauges, donc, qui ne sont pas de la jungle, qui continuent d'augmenter et d'accumuler tous ces bonus, car je vais devenir une arme de terreur. Je vais devenir l'anéantissement total de toute forme de vie dans cette zone-là, d'ici la fin du niveau. Et j'ai bien l'intention de, non, pas le one credit, mais au moins d'aller jusqu'au boss sans me prendre un pruneau lamentablement, ce serait bien. Surtout que vous le remarquez, le jeu est assez sympa, pour l'instant, au premier tableau, qui s'appelle donc un tablal. Oula! Faut pas faire ça, monsieur. Ouais, on vous fait pas trop souffler. Je me suis mis sur quoi? Eh ben merde alors. Mes bonus! Give me back my bonus, Mother Lapinou. Oh! Oh, je suis colère, j'en ai pas dû. Moi, pas trop. Pas tant que ça va bien se virer. Bon, lui, il va commencer à se calmer un peu, parce que. Moi, les volatiles, là, les gros poulets qui font les malins, je règle ça en général à coup de bombasse. Hein. Ah, j'aurais dû le faire ici d'ailleurs. Alors, je suis désolé, vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez le son du stream, le son est complètement pourri. Je m'en excuse, c'est mon émulation, c'est une grosse ROM. Hein. Et donc, pour émuler ça, faut quand même des conditions préalablement idéales, à défaut de pouvoir. Sur la vraie borne d'origine. Je sens que je vais prendre un gros truc là. Voilà, c'était son petit canon mitrailleur là. C'est une saloperie sans nom. Ah si, canon mitrailleur. Mais j'avais plus de monde. Oh merde. Yes, I continue, my friend. Because I want to share with my audience what is after the. Wopa, lamentable lamentin! Ça m'a mal se terminer, je pense, ce premier niveau. Il était temps que ça se termine parce que j'étais en très 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 mauvaise posture. Fan service! Wouh! Plan culotte, mon dieu! Poussez-vous les vaches! Alors, est-ce que ce jeu n'est pas validé parce qu'il est moche et inintéressant et que les pixels sont taillés à grands coups de hache? Eh oui! Eh oui! Non, ce serait dur de ne pas valider ce jeu-là. Pas à cause de sa signature, Kev, qui est toujours un gage quand même de qualité dans l'univers des shmups, mais surtout parce qu'il vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment très plaisant, même si, je vous le rappelle, bah, de toute façon, vous le voyez à l'écran, hein, la lisibilité des fois est un poil limite, limite. Là, c'était pas un problème de lisibilité, c'était un problème que Pépé n'a pas pris son eau de café et du coup. Il est pas efficace là. Oh purée, cette saloperie là. Regardez-moi ça. Et je peux avoir une pause? Non, pas de pause. Ah, des fois, je me mets à des endroits où je ne vois pas le truc venir, c'est quand même bizarre. Enfin, je me regarde sur le replay pour comprendre certaines choses. Il m'échappe un poil là. Oh, j'ai raté mes bonus pour aller nettoyer l'écran. Ça, c'est exaspérant. Il y a des choix à faire, mais parfois ils sont super difficiles. Parce que les petits bonus, ça fait toujours plaisir. Mais si on laisse trop ces gens s'installer, comme diraient les personnes au front un peu bas, bon, au front carrément par terre, on peut le dire, ben après, c'est l'invasion. Et puis en plus, ils viennent en famille, ils se reproduisent. Je parle de vaisseau, hein. Salutations à toi, Marine, si tu nous regardes. Mais je pense pas que t'aies les couilles d'utiliser les jeux vidéo, parce que pour toi, ça doit être encore un truc de satanique. Je règle mes comptes, hein, au passage. Parce que elle a le droit de s'exprimer en permanence, et nous infliger ses inepties. Y a pas de raison que ça marche pas dans l'autre sens dès qu'on a l'occasion. Hein. Donc salut à toi, Marine. Apprends à te détendre avec un shoot, ça t'évitera de tirer sur des gens parce que voilà, c'est quand même mieux de tirer sur des pixels. Qu'est-ce qu'il avait dit mon pote streamer? Jamais de politique dans les streams. Ouais, non mais moi je vais en mettre. Je vais en mettre.
J'ai bien mis de la géographie et de l'histoire hein, déjà. Donc je pense que je peux me permettre de balancer du. Il me stresse, lui, il me stresse. Motherfucker crève, bordel! Je tire plus là, je fais la grève du tir, nana. Non mais non, quoi! Tu arrives là avec des roses de toutes les couleurs, bariolées, avec amour, machin, l'autre accueille ses primos. Ben, je sais pas, je mets une nappe déjà, je sors les verres apéro, c'est quoi ce pattern? Alors je vous avoue que je suis pas un spécialiste de ce jeu. Je crois que c'est peut-être pas la première fois que j'y joue, mais voilà, j'ai dû le lancer pour l'essayer. S'il te plaît, meurs. Et du coup, je débarque sur les boss en ignorant totalement les petites câlineries qu'ils vont me faire. Ça passait, là, j'avais pas bougé. Et apparemment, là, je suis tombé sur Monsieur Calinou, qui n'arrête pas de me jeter des petites perles. Peut-être une soirée cassoulet qui a mal tourné. Oh, je vais jamais m'en sortir, celui-là. Allez, mange, parce que là, je ne peux rien faire. En plus, tu es beaucoup trop près. Et on n'a pas envie de se faire des bisous, je te rappelle. Un petit peu de fanservice. Oh là là, plan boob. Extraordinaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, foncez sur Ibarra s'il existe sur votre machine. C'est du tout bon. C'est violent. C'est ce qu'on veut. C'est chargé. C'est jouable. Il y a des patterns super intéressants pour se faire la main et se préparer à d'autres shoots qui pourraient être un petit peu plus cruels. Je suis vraiment désolé que le son soit pourri. J'étais en train de réfléchir à ça. Hop, remets-toi là. Ça, tous les bonus perdus. Ouh, ça a l'air méchant ça. Ouh, que ça a l'air très méchant. Ouh, que j'ai plus de bombasse, méga bombasse of the death. Que je vais plus pouvoir cancel grand-chose. Oh là là, je me suis mis tout seul dedans là. J'aurais dû procéder quand même avec un petit peu plus de rigueur pour le nettoyage parce que j'ai vraiment fait tout ce qu'un vrai gamer ne devrait pas faire sur ce tableau. On va bien s'entendre. Putain. Alors comme d'hab, j'ai un petit problème avec le pad, c'est que je me déplace de 10 en 10 pixels, grosso merdo. Ce qui n'est pas idéal pour faire du slalom très précis entre les boulettes. Et je regrette qu'on n'ait pas un mode où on peut régler le tir appuyé de manière à ce qu'il ralentisse le vaisseau. Ça m'arrangerait énormément. Et vu que c'est pas une option qui existe dans ce jeu. Merde. Eh ben, je suis bien ennuyé. Il va m'en coûter des crédits, celui-là, dites donc. On va jusqu'au prochain boss et on arrête, puisque je ne vous fais pas un stream de qualité. Je suis le premier à l'admettre. Mais pareil, rien ne dit que je ne vous restreamerai pas ce jeu ultérieurement après m'être entraîné d'une manière relativement acharnée dessus. Et pouvoir prétendre faire une partie qui est à peu près de la gueule et qui ne nécessite pas 64 crédits. Je vais tout nettoyer ce côté, hein, quitte à me laisser charger l'autre. Et gentiment, je vais y aller avec beaucoup d'amour. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon amour. Sens-tu mon amour? Eh oui. Il y a des moments, faut arrêter de m'emmerder. Parce que là, je deviens colère. Alors, entre les bonus à ramasser, les boulettes, vous avez bien vu que on ne s'ennuie pas. Hein. Là, si je voulais me gratter le nez, ce ne serait tout simplement pas possible. Hein. Oup, oup, oup. Et les oiseaux qui s'envolent, on l'a vu dans un stream précédent, ça. Je me rappelle plus quel titre, c'est un très vieux jeu en plus, le coup avec les effets des oiseaux qui s'envolent derrière, un vieux jeu de 80 et quelques. Et j'avais tiré là, ma bombe, monsieur. Me mettrais-tu en plus un délai dans les push the button? On va pas y arriver. Faut vachement anticiper le tir de bombe, c'est ça que je trouve bizarre.
ça doit être un problème lié à mon émulation, je pense, davantage qu'autre chose. Parce que je vois mal un soft sur lequel apparemment on a mis autant de travail être bâclé sur cette simple partie-là. Nous verrons ce qu'il y a après toi, petit. Nous verrons, parce que nous sommes colère. Nous sommes... Ah, je suis où? Des fois, je ne me vois plus bien. Oh putain. Il est d'une violence. Note pour moi-même, ne stream plus ces jeux-là le matin. C'est pas bon, et après, tu risques d'être de mauvaise humeur pour la journée. Aïe, 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 je veux pas. Non, monsieur. Je suis en train de me prendre une fessée par ce jeu. Je n'ai pas de honte. C'est le caractère éducatif de ces streams. Je ne sais pas où il est le vaisseau dans ça. Il doit être quelque part vers le bas. Alors, comme d'habitude, hein, le même conseil. Si vous avez des amis épileptiques, invitez-les. Il y a des trucs rigolos à faire. Parce que là, déjà, en n'ayant pas ce souci-là, c'est assez mortel. Mais alors... Oh, il est en train de me faire un boucaquet de boulettes. C'est un boucaquet de boulettes, j'insiste. Quand on fait ça, du tir non-stop à cette cadence-là, ça peut pas porter un autre nom. Ça n'est pas possible. Ah, je vais continuer, ça m'énerve. On va s'arrêter en plein milieu du tableau, mais... Il y a quand même un petit souci sur cette lisibilité, hein, je vous avais prévenu. Le truc est gras, il est très gras. Hein. Genre, ça pourrait être la margarine du shooter, quoi. Il y en a tellement sur l'écran que souvent on se plante, mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon. C'est juste parce qu'on ne sait plus où on est dans toute cette bouillasse. Alors, ils ont fait au mieux pour que ça reste lisible, mais... Vous avez vu tout ce qui bouge? C'est assez affolant, quoi. Et tu veux bien mourir, toi? Merci. Allez, charge-moi un bonus que ça donne. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à ce niveau-là, du coup, les petits trucs qui arrivent, ils n'ont pas le temps d'apparaître sur l'écran. Il y a juste leur tir qui reste. Comme une rémanence de leur passage dans cet univers. C'est assez rigolo. Quand c'est que tu vas balancer tes petits lasers? Oh putain, non, mais pas les six circulaires, monsieur! Suis-je game over? J'ai besoin de reposer mes yeux, là, ça devient vital. Puis en plus, lui, je pense qu'il va durer un moment. Puis là, il n'est pas encore en mode hardcore. Là, c'était l'appetizer, comme on dit. J'ai plus de bombe, là. Non. Non. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on a fait nos minutes légales? 18. Oh là là, joli score. J'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce titre Cave, qui est un manique chargé, j'utilise encore le terme, il n'y en a pas d'autre. Qui ne vous laissera pas beaucoup de temps ben, pour vous gratter les cheveux et réajuster vos chaussettes, parce que une fois que vous aurez lancé le jeu, ben, vous avez vu, vous êtes un petit peu à 110% dedans. Il n'y a pas de temps mort, sauf les jolis petits screens qu'on a d'un niveau à l'autre. C'est une violence totalement totale. Donc, un petit plantage, c'est normal, hein, parce que un stream sans plantage, ça serait choquant, quoi. Et voilà un ami qui s'invite sur un autre jeu. Donc, ça veut dire qu'il est temps de terminer ce stream. Je vous fais des bisous en vous rappelant que Ibarra, c'est totalement validé et qu'il le faudra impérativement dans votre collection de shoot. Ce titre est génial, quoi. À tout bientôt. Ciao.